l'explosion a bousillé les stabilisateurs orbitaux. On est sur le point de plonger dans le vide. J'essaie de contacter le Torrens, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance sous tutelle à Marie et Mickey. Le Torrens est notre seule chance de sortie. Le message de Verlaine a été mis à jour. Allô, Sébastopol, vous m'entendez? On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans, on peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminé. Désolé.
peux me rappeler pourquoi j'indique les contrats. Dans le vide. J'essaie de contacter le Torrens, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance sous tutelle à Marie est niquée. Le Torrens est notre seule chance de sortie. Le message de Verlaine a été mis à jour. Allô, Sébastopol, vous m'entendez? On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans. On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminée. On a de la compagnie. La sécurité de la Sixon vient de débouler. Avec des armes et furax, j'ai dû me bloquer sous un bureau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le Torrens. Ils ont entendu la diffusion. Ils veulent le contacter. Je crois qu'ils veulent le prendre de force. C'est possible, ça? Non. Les communications sont toujours HS. Ne t'approche pas d'eux. Ils sont dangereux. Ils n'ont plus rien à perdre.
pas dessus. Si c'était la créature, elle serait déjà morte, pas vrai? Rien à signaler par ici. Ils sont passés où? Si vous voyez quelque chose, n'importe quoi, tirez dessus direct. Quoi que ce soit, nous le trouverons. Je sais que vous êtes là, et que vous êtes humain. J'espère vraiment que c'est rien qu'une fausse alerte. Il n'a pas pu aller bien loin. J'aime pas ça. Du nouveau, rien à signaler par ici. Montrez-vous. Quoi que ce soit, nous le trouverons. Je sais que vous êtes là. Désert. Je sais que vous êtes là, et que vous êtes humain. Il n'a pas pu aller bien loin. Montrez-vous. Je sais que vous êtes là. Stabilisateurs orbitaux opérant à 60% avant chute. Thank you.
seul à avoir vu cette... d'ensemble, chaque détail a de l'importance. Quelque chose ne va pas. Venez ici, s'il vous plaît. Laissez-moi vous aider.
va? Écoute-moi. Les permissions de Marlowe sont encore dans ce terminal. Avec les coordonnées du Torrens, on pourrait réaligner les paraboles de transmission manuellement et contourner Apollo. Il y a un observatoire près des coms, non? Ouais. Tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. Je t'ouvre la porte. Stabilisateur orbitaux opérant à 40% avant chute.
Ricardo, je les ai trouvés. Maintenant, aligne les paraboles vers le Torrens manuellement. Ok, je vais dehors. Thank you.
Verlaine, tu me reçois? Ripley. Putain, mais qu'est-ce qui se passe sur la station? C'est la merde, Torrens. Il y a un organisme alien ici. Mortel. On a besoin d'une évacuation d'urgence. Un quoi? Pas le temps d'expliquer, s'il te plaît, Verlaine. On a nulle part où s'arrimer, Ripley. Et la station commence à se détacher de son amarre gravitationnelle. J'ai vu une plateforme de remorquage sous le terminal de décollage. Mais le cordon ombilical du Torrens n'est pas conçu pour. Faut que tu déploies les pinces de la plateforme de remorquage côté station. Mets-toi en position. Alerte. Veuillez vous rendre
rejoindre à votre point d'évacuation et attendre des instructions. Ricardo.
Sinclair au rapport. Vous avez mis trop de temps. J'ai été obligé de boucler cet endroit et de prendre le dernier transit. On ne peut pas se permettre de laisser le sanctuaire grand ouvert. Il suffit qu'une seule créature s'infiltre et toutes les provisions et armes qu'on a ramassées seront foutues. Mes proches et moi, on va rester jusqu'à ce que les secours arrivent. Je suis navré. Mais quand vous avez commencé à poursuivre un vaisseau qui ne viendrait jamais, vous avez dévié du plan. Sinclair terminé. Je
suis arrivé ici quand ils étaient en train de sceller le sanctuaire. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. Peut-être à ce qu'ils changent d'avis et me laissent entrer. Peut-être à ce qu'ils me descendent comme ils font à tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Ils m'ont fermé la porte au nez. J'entends des mouvements à l'étage en dessous. Pas de temps pour les cérémonies. Sinclair et sa horde se sont emparés des provisions de Sébastopol et de la plupart de son arsenal. Mais j'ai aussi entendu des voix d'enfants. Je me demandais bien où ils étaient passés. Ils peuvent peut-être les protéger contre les monstres. C'est du moins ce que j'espère, malgré tout. Arrimage automatique du cordon. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en position. On n'attend plus que tu déploies les pinces de remorquage. Je me demande encore comment j'ai pu te laisser m'entraîner là-dedans. Les examens médicaux pré-hypersommeil ont été effectués sur l'ensemble de l'équipage, y compris sur le chat du vaisseau, malgré quelques résistances du personnel mécanicien. Rien à signaler. Tout le monde est présent et dans un état correct, comme il est détaillé dans le rapport que je viens d'enregistrer auprès de maman. J'ai encore quelques petites choses à régler pour mon équipement ainsi que l'initiation du système. À part ça, on est paré au départ. Pré-hypersommeil ont été effectués sur l'ensemble de l'équipage, y compris sur le chat du vaisseau.
puissant. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Examens médicaux pré-hypersommeil ont été effectués sur l'ensemble de l'équipage, y compris sur le chat du vaisseau. Malgré quelques résistances du personnel mécanicien, rien à signaler. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice.
Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur orbital d'urgence. Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice.
examens médicaux pré-hypersommeil ont été effectués sur l'ensemble de l'équipage, y compris sur le chat du vaisseau. Le présent est dans un état correct, comme il est détaillé dans le rapport que je viens d'enregistrer auprès de maman. J'ai encore quelques choses à régler pour mon équipement ainsi que l'initialisation du système. À part ça... Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur orbital d'urgence.
votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable.